Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il y a des mains qui se lèvent, etc. Donc il y a France 3 Aquitaine qui est présent. Il y a beaucoup de la presse régionale, hein, effectivement. Il y a aussi un journaliste de chez TF1, de France 2, qui sont présents. Mais il y a beaucoup de presse de radio locale aussi. Local, hein, ouais. Ok. Oui, vous. T'as Amandine qui lève la main. Est-ce que ah oui, bah je vais. Allez-y. Ah, parfait. Dites-moi, Capitaine Tellier, est-ce qu'il y a un rapport avec le cambriolage qu'il y a eu chez les Bazas, 30 chemins Richelieu? Alors effectivement, au 30 chemins Richelieu, d'où ma confusion, nous avons eu connaissance donc de ce cambriolage. On étudie pour l'instant si effectivement un lien avec cet effroyable meurtre de masse. Bien. Et une autre question, ce sera ma dernière. Est-ce que vous avez retrouvé sur la maison ou à l'intérieur de chez les Delmain un signe tagué avec une bombe qui représente deux lettres CC? D'accord, je ne donnerai aucun détail sur ce qui a pu être sur les lieux. Je vous rappelle que ça peut entraver une enquête policière et que dévoiler des détails trop précis pourrait compromettre la recherche des meurtriers. Bien dit. Ça s'est embrouillé. Certaines qui prennent les notes, etc. Et il n'y a pas d'autres questions. Et puis, t'as madame. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. On reviendra vers vous quand on aura d'autres informations. Et les journalistes s'en vont parce que tu sais, il pleut beaucoup quand même. Hein. Il pleut beaucoup. Donc les journalistes restent pas. Hein. Vous êtes sur le perron, donc vous êtes abrité un petit peu par le perron, par l'espèce de haut vent qu'il y a en fait hein, devant la gendarmerie. Donc vous êtes. Je termine en remerciant tout le monde d'être venu et puis voilà, que nous les tiendrons au courant, nous informerons dès que nous aurons plus d'éléments à leur communiquer. Ok. Et puis bah, tu vois tous les journalistes qui commencent à partir à droite à gauche, reprendre leur bagnole. Bon, il y a Mata qui te regarde, fait bon, ça va, ça s'est pas si mal passé pour votre première interview, votre première conférence de presse. Ouais, mais j'aimerais bien savoir un peu plus sur la petite du Sud-Ouest, là, elle a l'air d'en savoir beaucoup, elle. Ah, oui, comment elle peut être au courant, ça craint, capitaine là. Comment elle peut être au courant? C'est une fouineuse. Elle fouine, c'est une journaliste. Ça veut dire que soit elle a eu accès à des informations, soit elle était directement sur place, et dans les deux cas, la liberté de la presse, elle est limitée quand même, hein. Ouais, mais elle a peut-être pu avoir effectivement des informations. Il y a une top, il y a quelqu'un qui la renseigne. Pas forcément, elle a peut-être pu aller sur place. Hein, Oui, parce que de mémoire, il y avait un dessin sur la porte d'entrée, je crois. Ouais, parce que si on retrouve des traces d'elle sur place, on peut carrément lui faire une procédure d'entrave à la justice, quoi. Hein. Ouais, entrave à une enquête policière. Hein. Par contre, je vous l'ai pas trop dit, mais lorsque vous étiez sur chez les Bazas, il y avait des traces de tags. Hein, oui, c'est ça. Puis sur la porte d'entrée, je crois. De mémoire, il y en a un à l'intérieur et il y en avait sur la porte. Il y en avait pas sur le perron. Ouais. J'ai noté, moi. On a fait sur le perron de chez Delmain et le perron de chez Bazas, c'est à l'intérieur de chez les Bazas. Ouais, c'est ça. Donc, il y en avait donc trois, bon, en fait. Elle peut l'avoir donc, vu ça. Hein. Du portail. Après, bon, il y a les hommes du lieutenant da Silva hein, qui sont là. Faudra peut-être leur poser des questions, mais en tout cas, effectivement, avec une bonne paire de jumelles de sa bagnole, elle aura pu le voir. Quoi. Mmh. Voilà. D'accord. Le commandant Mata qui. Je peux vous voir dans votre espace de travail, votre équipe et vous? Bien sûr. J'ai des informations à vous communiquer, donc vous rentrez. Est-ce que j'arrive à ce moment-là? Ah non, parce que tu m'as dit 18h et la conférence a duré 20 minutes, quoi. Donc pour l'instant, t'es pas là. Alors, en fait.
Ok, alors, bon, ça va, vous avez été bien briefé par le lieutenant Kuhn, ça s'est bien passé. J'espère que le procureur va pas nous embêter avec ça. J'ai des informations sur le passeport. Le procureur m'a appelé et il a pu avoir des informations. Alors, on vous écoute. C'est un faux passeport. Mais il est tellement bien réussi qu'on peut le considérer comme un vrai faux passeport, mais il manque des choses. On sait qui est-ce qui a fait ça. Ah. C'est un faussaire bordelais, en fait, du nom de François Renoir. Ça ne s'invente pas. Hein. il a été emprisonné, arrêté il y a un mois. Il est en prison. S'il vous faut une dérogation ou autre pour aller l'interroger, le procureur est d'accord. Après, connaissant le loustic, il est peu probable qu'il parle, quoi. On peut rien lui offrir en échange ? Non, le procureur veut absolument pas que vous proposiez quoi que ce soit, des conditions améliorées dans sa cellule, une cellule à part, la télé, etc. Enfin bref, il veut absolument pas entendre parler de ça. Donc on a que notre beau sourire pour le convaincre de parler. Il a une famille, il a deux enfants, il a quelqu'un à l'extérieur. Je peux regarder son dossier, mais... Un frère, une sœur, quelqu'un... Faudra regarder son dossier. D'accord. Capitaine Brochard. Sur lequel on pourrait faire pression. J'ai pas son dossier en tête, donc effectivement... Okay. Je regarde de travers, Capitaine Brochard. Je fais un clin d'œil. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Bah, continuez vos investigations. Continuez l'enquête, ça avance bien. En deux jours, vous avez abattu le travail d'une semaine. Donc, continuez. Vous mériterez bien votre dimanche. Vivre à la retraite. Et j'ai une question, moi. Est-ce que ça a avancé pour l'enquête sur les fuites ou pas ? Pour l'instant, non, c'est au point mort. Mais on enquête, Capitaine Telly, on enquête. Ouais, ce serait bien d'y colmater rapidement. Hein. Oui, ça va être... Ce serait colmaté, ça, c'est sûr. Lieutenant Messali, t'es où ? Je suis là. Ah, t'es là. T'es avec eux, hein ? On est d'accord. Ouais. Ok. Non, parce que je t'entendais pas, c'est pour ça. Oui, c'est parce qu'il me semble que j'étais pas avec eux au début, mais ça me dérange pas, aucun problème. Alors, t'étais au téléphone avec, ah oui, avec ta petite amie. Avec ma petite amie. Qui enfin, est en panique parce que ben, y a tout à faire encore, hein, et puis il y a rien qui est préparé. Donc, elle t'a dit aussi au téléphone pendant que t'étais avec elle qu'elle avait une bonne nouvelle à t'annoncer, mais qu'elle attendrait ce week-end pour te l'annoncer. Il va être papa. Bon. Non, sa mère arrive. Sa mère arrive. Reste 6 mois. La famille du bled arrive. Reste... J'ai une bonne nouvelle, chérie. Maman arrive et reste 6 mois. Ouais. Donc voilà, elle a une annonce à t'annoncer. Ah. Non, ça te fait. Donc, elle attendra que tu sois disponible, effectivement. Mais il y a un truc inquiétant qui commence à arriver, Messali. Tu commences à avoir un peu mal au crâne. Tu commences à suer un peu. Tu sens que tu as de la fièvre. T'es pas très bien, quoi. T'es pas top. Si jamais, en termes de jeu, tu dois faire des jets, tu les feras en désavantage à chaque fois. T'es moins concentré, t'as qu'une envie, c'est d'aller dans la couette, quoi. T'es vraiment, vraiment dans un état de fatigue. Oula. Et tu. C'est le puits, ça. T'es pas très bien, quoi.
tu penses que effectivement la petite baignade dans le ouais, coup, c'est ça, la baignade. Ça pas arranger les choses quoi. Puis comme c'est l'air est humide, tu sais, c'est voilà, c'est pas tant que il arrête pas de pleuvoir dans ce pays. Il arrête pas de pleuvoir, c'est le mois de mai, il pleut tout le temps. C'est terrible. Nous on a rendez-vous à 17h à 17h. Vous avez rendez-vous à 17h avec Michel. Lieutenant Ouar, qu'est-ce que tu fais en attendant? Ah ben une fois que je suis bien sûr que ça sera fini, hein, ben, je rentre au commissariat. Après il n'y avait pas de truc en attente hein, au commissariat finalement. Qu'est-ce qu'on devait chercher d'autre? Il y avait un truc. Alors moi j'ai eu une idée, j'ai une réflexion. D'un côté on a Bazas qui a fait une acquisition en 1990 d'un groupe d'investissement et de l'autre côté on a les Delma qui était directeur bancaire. Je sais pas, je vois une petite connexion là en fait. Ah, oui. Entre les deux. Dans ce cas, si tu m'as laissé une note peut-être, sur mon bureau quand ouais, peut-être revoir ce qu'il faisait en 90 banque, et s'il n'y a pas un lien avec cette opération. D'accord. Alors, savoir qui était le banquier de Bazas en 1990. Par exemple. D'accord. Ben, quand je rentre, si je vois ça sur mon bureau, je m'occuperai de ça, d'appeler la banque. Oh, il est 23h, on a encore le temps de faire un petit peu de trucs. On va faire la scène des archives. Lieutenant Noir, tu arrives. Ah, je veux bien venir, moi, du coup. Tu arrives au moment où tout le monde est en train de sortir de la brigade, puisque le capitaine Tellier, lieutenant Joss, Messali et puis Brochard sortent aussi, même au moment où toi tu rentres. Ok. Il est 16h30. Avant de rentrer, t'as vu qu'il n'y avait pas de journaliste ouais, sur le perron. Ouais, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de journaliste, c'est bon. T'as vérifié, il n'y en a pas. Ouais, parce que en fait, elle fait très attention à ça parce que elle a lu plein de trucs que les profilers, en fait, si jamais il y avait leur photo dans la presse, choses comme ça, ça risquait de compromettre leurs enquêtes futures. Ils risquaient d'être repérés comme agents infiltrés, etc. Donc surtout, elle veut pas que avoir affaire avec la presse. Ça marche. Et puis je vais lire les notes qu'on m'a laissées sur mon bureau et puis je commence à regarder si j'arrive à trouver avec les papiers qu'on a qu'est-ce que c'était la banque etc. Puis je vais passer des coups de fil à savoir. Donc tu vas pas. Je vais commencer par non moi archives. Je vais commencer par remonter à partir de Delmain là où il travaillait avant parce que ça je crois qu'on le sait. La banque d'où il était avant et puis je commence à appeler savoir si je peux avoir la liste des clients et savoir s'il y avait Bazas dans la liste de ses clients de 90, je vais faire ça du coup. Ok, d'accord, ça marche. Écoutez, on va aller aux archives. Mmh. Oui. Tout le monde prend sa voiture ou vous prenez une voiture commune pour y aller Pas la camionnette Ou une camionnette de la fameuse... Ah, la fameuse camionnette Où est-ce qu'elle est ? Que je rigole un peu. Alors, ambiance. Ah ! Il est où ? Là ! Ouais, c'est comment on appelle ça ? Il pleut, hein, mais là, il pleut pas. Ah, oui. Le petit transit de la gendarmerie. Je vais mais Sally, fais gaffe à la troisième, elle passe mal. Hein. Ça tombe bien. C'est moi qui conduis alors. Moi, je vais à l'arrière et bien sûr. Je consulte mon téléphone portable. Ok. Mais Sally, tu conduis? Il est fatigué, mais Sally. Il est fatigué, c'est vrai. Il a un petit peu des cernes sous les yeux. Un peu fier. Oui. Allez vous reposer derrière, oui, c'est vrai. Bon, je prends la route. Je conduis. Il conduit comme dans les années 80, donc. Alors. c'est Brochard qui conduit, c'est Tellier qui klaxonne, c'est ça ouais. Repose-toi, Messali. Repose-toi, là, le temps du trajet. Puis, donc, moi, je suis sur mon téléphone portable. Je regarde mon application préférée. Ouais, et ben écoute, tiens, ça tombe bien. Ouais, ça a duré 2 secondes, mais c'est mieux. Oui. C'est mieux. Alors attends, je reprends mes notes. Hop. Les joueurs. Hop, 2. Hop. Hop. C'est pas ça. J'ai foutu encore comme bordel. Alors, c'est l'autre cahier. Ouais, c'est le même ça, mais j'en ai. Sans déconner, hein. Non, mais je vous montre parce que. Voilà.
Ah la vache. Avec des post-it partout. Avec des, bah, avec des petits post-it, hein, puis il y a vos noms et tout, hein, ça rigole pas. Hein, Non. Et c'est pas là, forcément. Hein. Forcément, si c'était là, ce serait, ça serait trop facile. Il y a des dossiers sur nous. C'est ça. J'ai des dossiers sur vous, hein, c'est clair. Heure par heure, c'est renseigné. Ah, mais j'avais noté, putain, mais c'est pas possible. Ça me gonfle. Alors, hop, on est là. Ok. On s'avance en ce moment, sinon, Messali ? Oh, ouais, ça va. Un peu en dedans, comme on dit. Hein. Un peu en dedans, c'est-à-dire. C'est là. Pas très là, pas très présent, un peu palo. Ça manque un peu d'action, quoi. Si vous voulez prendre quelques journées, y a pas de problème, hein. Oh, je dirais pas non. Je lève la tête à ce lorsque j'entends ça. Moi aussi, je regarde. Ça va, capitaine. On a du boulot, capitaine. Oui, mais bon, si après. Lieutenant Messali se sent pas bien. Ouais, il est trop malade, peut-être que la police n'est pas faite pour lui, la gendarmerie n'est pas faite pour lui non plus. Hein. Ah bah sûr que si, bien entendu. Et encore moins le GIGN. Je vais passer en arrière-salle deux secondes avec le lieutenant Joss, si ça dérange personne. Ça dérange pas moi. Non. Alors. Hop, je me prépare. Alors, t'es là ? Oui. Alors, tu consultes ta messagerie préférée. Oui. Et tu as un petit message d'un certain AT. Oui. Qui te pose une question. Il te dit : est-ce qu'on se voit ce soir ? Je vais lui répondre que oui, je suis disponible ce soir. C'est AT, mais c'est en fait sous Tinder, il se fait appeler Alext. Alext. A-L-E-X-T. Oui. Oui, pas de problème. Non, je suis dispo. Je vais lui répondre que je suis disponible et qu'on se retrouve à notre endroit habituel et que si j'ai du retard, parce que là, je suis je vais être sur Bordeaux, je le préviendrai par la messagerie habituelle. Ouais, tu reçois un message comme quoi resto 19h. Oui. Point d'interrogation. Ouais, je réponds oui. Ok, voilà. C'était juste pour ça. Ça marche. On peut rebasculer. Oui. Ordenac, sérieux. Attends, magistère, on regarde la location du château de d'Ardenac. Maintenant qu'il est libre. Vous voulez louer le château d'Ardenac pour la mer? Ah bah, il y a des chambres d'hôtes. C'est des chambres d'hôtes, mais je sais pas s'il y a les prix. Il n'y a pas les prix d'affichés, merde. Mais quand il n'y a pas les prix, c'est pas bon signe. Ce qui est dingue, c'est que le château de d'Ardenac, là. Le fameux monsieur Chomel là, qui il s'appelle vraiment Chomel, le propriétaire. Ouais, il s'appelle Chomel et en fait il a fait du château de Dardenac et ça vous allez l'apprendre après. Je vous spoil un peu, mais en 2005 il a fait une maison d'hôte en fait. Oui, c'est ça. Ben oui, voilà. Ouais. Était dessus. C'est comme quoi ils ont poussé le truc vachement loin quand même. Hein. C'est des voyous. Ouais, non, mais c'est tu peux retrouver des informations, tu peux faire un petit tour à Dardenac. Une fois que t'as fait le scénario, tu vois, t'as joué le scénario, tu retrouves des trucs, quoi, c'est incroyable. C'est excellent. Bon, désolé, hein, ils ont qu'une chambre disponible pour la période, mais j'ai pas les prix, mais je pense que c'est pas cher. Alors, je fais un aparté rapide, mais j'ai commencé à regarder un petit peu les maisons d'hôtes, etc. Pour le mois de mai, c'est déjà blindé, hein. Ah, ouais. Bon. Ah oui, c'est un week-end un peu spécial. Faut regarder dans un petit bled. Ouais, tu peux à l'écart, hein, c'est pas gêne. On s'en fout, hein, que ce soit paumé. Hein. Une contraire. Grande table. Oui, moi je veux une douche, c'est tout. Hein. Et une grande table. une grande table, c'est bon. Avec une porte. Ouais, alors deux douches, ce serait bien. Bon, une seule, on peut. Hein, voilà. Ah, une douche, ça va être juste. Et des toilettes à part, parce que bon. Faut connaître tes dates. Les dates, on les avait plus ou moins données, non? Ah bon, ouais, je fais gaffe.
Bah, tu regardes, je sais plus, c'est en ouais. 8 ou 12, non, c'est pas un truc. Ouais, on a 4 ou 5 jours, j'en ai mi-mai là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faudra regarder. Mais bon, le château d'Ardenac, il n'y a pas de. À cette date-là, il n'y a pas. Mais le site existe, hein. Les photos sont très belles d'ailleurs. Et oui, sinon, ouais, c'est le nombre de personnes, le budget. C'est maintenant qu'il faut chercher. Ouais. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est prisé la Dordogne. Enfin, ah oui. Voilà. Ah ouais, ouais. Bah, oui, oui. Bah oui, oui. Alors, vous êtes aux archives de, oui. de Bordeaux. Je vais voir mon ami Michel. Et effectivement, vous rentrez dans cet énorme édifice, en fait, hein, qui sont les archives. Et effectivement, vous êtes obligé de montrer patte blanche. Hein, il n'y a que les la gendarmerie, les policiers, bref, des agents de l'État en fait, hein, qui peuvent rentrer. Donc avec vos badges, etc. Vous pouvez passer sans problème. Ça grouille de monde à l'intérieur. Et puis vous êtes accueilli par un petit homme qui fait 1m60, des grosses lunettes. Cul de verre, quoi. Enfin, vraiment, s'il les enlève, il est myope, quoi. Il ne voit rien. Il est. Alors, il a une particularité assez étrange, c'est qu'il n'est pas complètement chauve, mais il lui reste quelques mèches encore, mais il n'a pas tout rasé. Donc, ça fait une petite tête assez ronde, avec ses grands yeux de chouette, là, qui vous regardent. Ah, lieutenant, c'est moi, Michel. Oui, Michel. Bah, on s'est déjà vu. Oui, oui. Je vous ai installé tout ce qu'il fallait sur la table. Vous allez pouvoir voir, il y a plein de dossiers partout. Donc, si vous avez besoin de photocopie, quoi que ce soit, me dites, je vous le ferai. Enfin, voilà. C'est, d'accord. Mais bon, le dossier est gros. Hein, de... Oui, c'était bien ça, hein, c'était bien Monsieur Zem Sutton, c'est ça, hein, c'est... Oui, c'est ça. Oui, c'est parfait. C'est parfait, Michel, comme d'habitude. Excellent travail. Je vous en prie. Ok. Et donc, il vous amène à la salle. Alors, il badge. Ça, c'est une porte électronique, etc. Il badge et tout. Et puis, il vous laisse rentrer dans une pièce, effectivement, où est étalé des dossiers concernant James Sutton. Vous allez passer un certain nombre d'heures dessus. Oui. Ah oui, il faut. On va se répartir le travail. Vous allez vous répartir, effectivement, le travail, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs ouais. de dossiers. Sa mort, sa vie, sa mort. Enfin, sa naissance, sa vie, sa mort. C'est un peu ça, hein, c'est en trois gros dossiers. Et je vais lancer un dé. Je vais pas être trop gourmand. Et il vous faudra 4 heures pour tout. Ah oui, mais alors. J'ai lancé un dé de 4. Hein. C'était un gros dossier. C'était un gros dossier. Je vais prendre mon téléphone et je vais... Parce que là, il est 17h. Ouais, il est 17h, ouais. Bon, je vais prendre mon téléphone, je vais envoyer un message pour dire que... que ce serait plutôt 21h. D'accord, ça marche. Pareil, je préviens mon épouse. Parce que là, il est 17h, 18, 19, 20, 21h, hein, à peu près. Oui, d'accord. 21h, oui. Alors. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Bon, bah, un petit SMS à ma fiancée. Alors, j'ai rien de palpable à vous donner. Mm-hmm. C'est tout à l'écoute. Ok, ça marche. Prenez des notes, parce que... Il y a de l'info. Ouais, il y a de l'info, ouais. Ah, attends, je vais prendre mon cahier, parce que j'écrirai plus vite que je vais te taper. Bon, qui enregistre? Ouais, écouter. Ben ouais, oui, c'est pour ça. Alors, c'est bon. James Sutton est né en 1934 dans une famille modeste de Purfleet, un village de l'Essex au nord-est de Londres. D'après les informations que vous avez, James Sutton était un self-made man. Passé d'une modeste entreprise de démolition à la direction d'un groupe mêlant bâtiments, immobilier
et spéculation boursière. Wow. Ouais, apparemment, vous avez affaire à quelqu'un, même s'il est décédé, d'assez important. Talentueux même, peut-être. Hein. Beaucoup, mmh. Ouais. Et dans les années 70 et 80, son empire s'étendait sur l'Essex et toute l'Est Anglie, une région qui recouvre Norfolk, Suffolk et Cambridgeshire. Il est devenu multimillionnaire, fréquentant aussi bien des types plutôt douteux que de respectables parlementaires. Il a fait une carrière spectaculaire avant de connaître une éclipse à partir de 1986. Il y a beaucoup de choses en anglais au niveau des dossiers. Parce qu'il y a aussi apparemment les dossiers du Scotland Yard qui ont été mis ici. Alors, c'est pas des originaux, c'est des photocopies. Mais certains d'entre vous maîtrisent la langue de Shakespeare plus que moi. Et vous apprenez qu'effectivement, il a été impliqué dans des affaires de corruption et de mœurs. Et qu'il a quitté la Grande-Bretagne en 1988 pour profiter d'une semi-retraite dans le sud-ouest de la France. 1988. D'après... Ouais, 1988. D'après les rapports anglais, la police britannique mentionne qu'elle l'a entendu à plusieurs reprises entre l'été 86 et le printemps 87. En relation avec une série de disparitions. 5 disparus. Je vais vous les noter. Alors, un certain Will Connor, Stephen Kramer, comme ça vous pouvez les noter, Sandy Jenkins, il y a toujours un Jenkins quelque part. Eh oui, ouais, le père en fils. Denise Mercer, et Solomon Goldstein. Alors, les 5 disparus que je viens de nommer entretenaient tous des liens avec Sutton. L'affaire s'est tassée assez rapidement. Excuse-moi, c'est disparu. Ça date de quand, ces disparitions? Entre 86 et 87. Été 86 et printemps 87. C'est ça, complètement. Sa mort, ça par contre, toute la partie où on parle de sa mort, vous savez, hein, puisqu'il est mort le 12 juin 93 dans sa résidence française, le château de Dardenac au sud de Bordeaux. Il était seul, d'après le rapport, il nettoyait un pistolet, le coup est parti. Lorsque la femme de ménage l'a trouvé, le lendemain, il était mort depuis des heures. Les gendarmes de l'époque ont conclu un accident. Je suppose qu'il y a le rapport d'autopsie et Il y a le rapport d'autopsie et il y a le nom du juge d'instruction qui officiait à l'époque. Un certain le juge Tissot, T-I-S-S-O-T. C'est à ce moment-là qu'il a été interrogé pour les disparitions, c'est avec ce juge-là? Non, c'était avant. Non, c'est... Ah, c'était pour les corrections. C'était les Anglais. Non, oui, oui. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Le juge, c'est pour Anglais, sa mort. C'est pour sa mort. De sa mort, c'est en France. Voilà. En anglais, en Angleterre, l'affaire avec les 5 disparus, ça c'est... l'affaire s'est tassée, on a plus entendu parler. Y a... Voilà. Personne n'a enquêté derrière. D'accord. Euh...
Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il était marié, il avait divorcé deux fois, ça je vous l'ai dit. Mm-hmm. Il était locataire au château d'Ardenac. Jean Chomel l'a reloué une fois l'enquête terminée, et en 2005, les Chomel ont pris leur retraite et transformé le château en luxueuse chambre d'hôte. Excellent. Comme vous l'avez vu sur les images. Ouais. J'aurais dû aller chercher en fait et récupérer les images pour vous les montrer. Mais vous l'avez fait nativement, naturellement. Donc, voilà. Et qui avait effectivement une clause bizarre dans son testament, qui avait été rédigé en 1990 et qui contient effectivement qu'il a exigé d'être enterré dans un cercueil dont l'intérieur était orné de dessins très inhabituels. Voilà, voilà. Oui, mais ça. Enfin. Ça ne dit pas où il a été enterré. Non, non, mais c'est pas ça, si tu veux. C'est que je me dis, si tu prends le temps de faire un testament pour préciser que tu vas être enterré dans certaines conditions, avec des dessins particuliers, tu as forcément quelque part les dessins qui ont été faits, si tu veux. Bah, vu que tu es le fabricant, voilà. Il faudrait trouver les pompes funèbres. Vu que t'es plus en vie, vu qu'il était plus en vie. Hein. Ouais, complètement. Hein. J'ai une question. Est-ce que sur le lieu, au château d'Ardenac, quand il est décédé, il y a un rapport d'enquête? Je pense que oui. Sur l'endroit, est-ce qu'il y a des traces bizarres sur le lieu du château d'Arsenac qui ont été rapportées? Non. Non.